Alors, à côté de l'incontinence urinaire, la dysfonction érectile est la deuxième séquelle possible de l'ablation de la prostate pour cancer. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que les nerfs qui permettent l'érection sont situés de part et d'autre de la prostate et que parfois, le développement de la tumeur rend nécessaire l'ablation de ces fameux nerfs qui longent la prostate pour être certain de ne pas laisser de cellules cancéreuses. Eh bien, lorsqu'on regarde globalement le risque de dysfonction érectile après chirurgie du cancer de la prostate, c'est plus de 2 patients sur 3 qui vont avoir une dysfonction érectile qui nécessitera un traitement spécifique. C'est une question qui doit impérativement être discutée, bien sûr, en amont et être prise de l'opération et être prise en charge rapidement pour avoir des programmes que l'on appelle de rééducation sexuelle pour permettre de faciliter la récupération et d'accompagner le patient dans sa sexualité.